Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour la suite de notre let's play sur XCOM, le 5e épisode. On en était resté avec une mission du conseil qui s'appelle Présage. Visiblement un convoi militaire français s'est fait intercepter par les aliens. Et si on arrive à identifier quelle est la cargaison et à ramener cette cargaison, bah on sera gratifié d'un scientifique, d'un ingénieur et de 150 balles. Alors juste avant, je voulais vérifier une ou deux petites choses. Ils vous montraient notamment que c'est un peu chaud au niveau de l'Europe. Là, les niveaux d'alerte là sont au avant-dernier degré au Royaume-Uni et en France. Le problème, c'est que pour faire baisser ça, il faut que j'aille des missions dans le coin. Il faudra pas que ça me mette en tension trop dans un autre côté, mais là, ça va être chaud. Ou alors que je balance des satellites. Pour balancer des satellites, il me faut un terminal de liaison. Pour un terminal de liaison, il me faut un générateur. Bref, je suis en train de construire un petit peu tout ça ici, en même temps que le labo de cybernétique, excusez-moi. Donc le terminal de liaison, le générateur, puis là je fais un peu de place pour probablement le troisième générateur. Là je suis un petit peu limite au niveau de mon énergie. Mes finances, j'ai vendu un peu d'alliage et puis un ordinateur de vol. Il me semble que j'en avais en suffisance. J'ai au niveau de mes prochains événements, c'est résumé ici, le générateur, le labo, le terminal, les lasers de précision pour équiper nos snipers avec des lasers, ça va être bon. Et puis le rapport du conseil dans 19 jours. Et puis voilà à peu près hein, au niveau des soldats, si on se remémore vite. On a notre snipeuse Dim, la meilleure du tas là, qui est actuellement à 100%. Le caporal Agnew, notre sapeur. On a deux deuxième classe, un commando et un sapeur ici. De la chair à canon là, on verra ce qu'il donne. Et puis là, il y a Shannon qui s'est un petit peu trop baladé sur le toit, il s'est fait canarder, il est blessé encore 4 jours là, lors de la dernière mission. Et puis Fofana qui avait été mise au feu et qui a failli prendre très cher, mais qui a survécu. Donc un deuxième grenadier, mais qui en a pour 15 jours. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir balancer la prochaine mission qui s'appelle Présage. C'est parti. J'avais regardé un petit peu, donc on a une recrue, le soldat Klein qui est ici avec l'équipement de base. On a l'électroflux parce que pour faire avancer le scénario général, il va falloir que je capture un alien. J'ai tout pour l'entreposer, enfin c'est-à-dire pour le conserver, l'enclos alien et puis pour après disséquer tout ça. Ça va être très sympa. On va laisser le scope pour Dim pour qu'il continue à nous faire un carton. Le sapeur avec le medkit et puis deuxième classe Gasparato. Ah merde, faudra que je lui refasse une coupe un peu meilleure là. Bon, passons, on y va. On passe l'anime, on commence à la connaître. Donc jusqu'en France. La France nous a envoyé une requête urgente. Ouais. Alors on y va. Je pourrais encore à augmenter mon escouade au centre de formation. Là, j'avais pas assez d'argent jusqu'à 6. Ah non, je crois que un de mes soldats doit être lieutenant. Mais nous n'avons pas l'ombre d'une piste. Notre inquiétude première est ce rapport du Conseil qui indique une activité extraterrestre dans la zone. Nous devons sécuriser le site et chercher des indices pour comprendre ce qui s'est produit. Nouvel objectif reçu. Ok, alors on va sécuriser. La vigilance avec le sapeur. On a le commando. Commando. On va le faire aller. Non, on va se mettre à couvert. On va rester à couvert jusque là. Il n'y a personne. Je le laisse en vigilance au cas où. Alors, Gasparato, toi tu vas aller jusqu'où? On va le faire avancer jusque là-bas. La recrue. Peut-être pas avancer autant. Je sens. Je vais peut-être mettre d'abord Dim en vigilance. Ici. Il n'y a rien qui se passe. Comme ça, je peux me permettre d'avancer à fond avec le soldat jusque-là. Bah, on n'a rien capté. Jusqu'au mur là-bas. Là, je pense qu'on va avoir des aliens. Là. Il y a des chances. Je sais pas si le snipe arrivera à le voir. Un petit peu loin. Par contre, là, j'ai 53%. On va pas se gêner. Et un de moins. Fallait pas te montrer comme ça. Hein. Alors, avec Gasparato, on va avancer. Ouais, carrément jusque-là. Ensuite, le soldat. Est-ce que là on a à couvert? Non, non, non. Bon, alors on va peut-être courir jusque là. Ennemi en vue. Ok. Alors le snipe. Où est-ce que je pourrais le mettre pour avoir une petite solution de tir? Ce sera là-bas en haut. Non, là, il n'y en aura pas. Là, ils sont trop proches l'un de l'autre. Si j'avance jusque-là, bon, je pourrais pas tirer. Allez, tentons. Alors, toi, tu vas avancer, mais comme un petit cochon. Ah, ça va être dur d'en choper un à l'électroflux s'ils sont sur le toit, comme ça. Là, il va me tirer sur Dim, ouais. Ouais, c'est avancé. Pas Dim, surtout pas Dim. Faut dire que j'y suis allé. D'accord. Alors, est-ce que là, j'arrive à faire un joli petit tir en pleine tête? Ça a l'air pas mal, hein. Et bon. Alors toi tu vas pouvoir avancer jusque là et te mettre en vigie. Donc dans ce type de mission, il y a souvent un mec à récupérer. Puis une fois qu'on l'a récupéré, il y a d'autres ennemis qui popent à gauche à droite. Ouais. Avance. Ok. Allez, hop, on va aller jusque là. Et puis Klein. Jusque là. Ah merde. On va rester en vigie. Ah, oui, bon, heureusement que Dim n'était pas à côté, ça aurait pu faire très mal. Hein. Il s'est mis en vigilance, le petit coquin. Si je me mets là, il risque de tirer dessus, mais là, je suis quand même bien à couvert. Mais je crois que j'ai un angle de tir, là. Même pas. Bah là, on va rester en vigie aussi. Liu. Peut-être rentrer dans l'appart jusque-là. Détecte encore des signes de vie dans la zone. Ah bah voilà, nous avons à nous le paquet à récupérer. Là on peut tirer 45%, bah c'est raisonnable encore. Eh bien, en plus c'est une recrue, fait de l'XP. On va sprinter. Gasparato. Ah merde, la vigilance, imbécile. Bon, heureusement, il est assez solide. Mais comme un con, évidemment, j'ai cru que j'avais le... Ah bien, il y en a un autre là-bas et en plus il a découvert. Pas bon... Et là, je pense qu'à travers les vitres, ils peuvent le tirer comme un lapin. Ah, il va en mettre une couche. Ne le touche pas, ne le... Ouh, il l'empoisonne. Ok, ouais, je peux comprendre. Bon, Dim. Ok, là, je le vois. 60%. Bon, on va se garder ça en réserve. Qui est-ce qu'on a d'autre? Klein. Là, il y a peut-être moyen de tirer. Ça serait pas mal qu'elle l'achève. Ça lui fera de l'XP. On va privilégier la recrue. Eh ben voilà. En deux temps, mais quand même. Du coup, je ferai avancer un peu mon snipe. Oui, je pourrais le remettre en arrière et puis le faire soigner. On va le laisser en vigie. Et toi... Ah mais je peux... S'il te plaît, moralogie d'un soldat dans un état critique. Non. Non, non, ah non, c'est... Pardon, c'est soin, c'est comme ça. Hop là, un petit coup de spray, comme au foot, et c'est réglé. Lui avec son pompe, on va le faire aller jusque là. Pour aller récupérer le... Ah, il est en vigilance, mais oui, en plus je me suis fait la réflexion. Ça va, bon, à travers les vitres et tout le bordel, il l'a pas touché. Ça va, il est pas jaune, mais ça risque de faire mal. Il est proche. Il l'empoisonne, ce salaud. Ouais, on va le choper. Bon, il y en a qu'un. C'est plus que faisable. Hein. Alors, Dim. Là, je devrais pouvoir lui tirer dessus avec un pourcentage plus que raisonnable. Ouais, 60%. Allez. Mais Dieu, ce carton! Toi, tu dois... Non, attends. J'arrive même pas à le voir. Je distingue pas dans cette histoire. Bon. Alors, on va se positionner déjà pour la retraite, quasiment. Je bouge. Ok, ici en vigie. Toi, tu vas nous choper le mec. Laissez-moi donc ici. Je ne vous dirai rien du tout. Ça m'est égal. Toi, tu viens. Et c'était sans doute l'un des attaquants. Et on doit le ramener jusque là. Qu'il le veuille ou non. Objectif mis à jour. Donc, eux, ils ont possibilité de se mettre en position un peu à couvert. On va se mettre là. Donc, protection, un petit bonus. Toi, tu vas rester en vigilance au cas où. Et puis toi, et puis toi, et puis toi. Parce qu'ils peuvent arriver à peu près n'importe où. Sur les toits, sur les voitures, enfin... Je sais pas où me positionner au mieux. Peut-être là. Et puis je pourrais balancer pour protéger ici du fumigène. Voilà. C'est déjà ça, parce que si je me le fais buter, tout est perdu. Et puis je vais me recharger les mines. Et ben voilà. Ah, ils se mettent en vigie direct. Bon bah il y a lui là derrière. Ah mais il est pas en vigilance, il y en a un autre en vigilance, parfait. Ouais mais bon c'est le pompe. Un peu... Ah non c'est pas le pompe. Voilà, un au moins, excellent. Le snipe. Combien on a de pourcentage? Ben ça bug à 70%, 71%. Allez tu me le fais Dim. Fail pas maintenant, voilà. C'est bon ça. Alors toi, tu vas sprinter jusque là. Oh, je suis allé comme un fou, je croyais qu'il y en avait un troisième qui était en vigie. Non, ça va. Donc toi, tu vas venir jusque là. On va pas se recharger tout de suite. Ok, toi, tu vas revenir Fissa là derrière. Je fonce. Ok. Là, je suis pas couvert. Ouais. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté, comme ça, lui, il peut voir. Et canarder à foison. Ah, puis toi, tu vas... On va profiter pour faire venir... Non, là, c'est pas du couvert, c'est pas du couvert. Ici, c'est couvert. Ok. Faut pas trop que ça... Ah, lui, il se prend de l'empoisonnement encore. Snipe. Snipe, on va le mettre ici pour couvrir. Ah, Klein, toi, tu vas te mettre... ici. En vigie, nickel. Toi, tu vas avancer. On va pas pouvoir se mettre en vigie, du coup. Mais on aura toujours Klein pour couvrir. Peut-être pas bien de se remettre tout à la recrue comme ça, au passage. Là, on a du couvert. Puis on va se mettre en vigie également. Ah, j'aurais peut-être pu mettre un autre fumigène. Si je le fais courir comme un petit dératé jusque là. On a déjà fait un bon bout. Mais je sens qu'il va y avoir encore une ou deux vagues en tout cas. Snipe jusque là. En couverture. Je sais pas combien de kills est là. Mais elle les a toutes fait à la suite. Ici si ça vient par derrière. Ça fait encore une possibilité. Ah non, peut-être que je vais le faire courir. Non, je peux pas le faire courir beaucoup plus loin, ça vaut pas la peine, on reste comme ça. Soyez prudent. On a des ennemis en approche. Un sur le toit, insectoïde. Ah, il faut faire gaffe par les toits, ils peuvent tirer à travers ces trucs. Il perd encore des points là d'empoisonnement, je croyais que c'était fini. Dim n'a personne en ligne de mire. Là non plus. Comme ils sont tous en vigilance, si je me mets là, bon tant pis. Là, il y a assez de vie, on va rester en vigilance. J'ai peur de bouger là et il risque de me tirer là à travers. Genre un truc comme ça, bam. On va d'abord bouger avec un soldat. Si mon soldat, je le bouge par là... Bah, je serai fixé. Non, visiblement. C'est bon. Et lui, si je le bouge jusque-là, ça devrait aller aussi. Parce qu'à partir du moment où je le mets dedans, je crois que c'est bon. Je crois pas que j'ai besoin d'amener tous mes soldats dans la zone. Ok, alors toi, tu restes en protection. Si je vais jusque-là, comme ça, s'il bouge sur le toit, je pense que j'ai moyen d'avoir une solution de tir. Peut-être. Allez. Hop. Et Liu, tu vas aller tout à côté. Comme ça, je pourrais balancer à la limite du fumigène par là. Hernandez, notre fusil à pompe. Les ennemis se rapprochent de votre position. Ils arrivent à tirer sur ma cible. Ouh. Il y en a encore un. Vigilance. Alors, Dim. Tu vas me le faire celui-là, mais en toute beauté, j'espère. Par contre, elle a plus de mune. Elle a plus de mune. Si je vais jusque-là... Non, peut-être avec celui qui a plus de vie. Eh ouais. Mais ouais. 50%. Allez, 50-50. Gasparato. Et chiotte. On va aller jusque là avec elle. Et puis vigie. Alors si je reste contre le mur, ça devrait jouer. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Protection. Ok. J'ose pas montrer ma petite tête là. J'ose pas tellement. Parce qu'il est à moitié mort. J'ose pas une chier. Ah bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du fumigène. Ah mais du coup je suis... Non, là je suis plus dans la ligne de mire de l'autre. Hernandez. Hernandez. Lui c'est un commando, il tank, mais il est aussi à moitié mort. Enfin à moitié mort, il est bien blessé. Ici dedans ça devrait jouer. À mon avis c'est le dernier cochon. Raté, ça va. C'est peut-être le fumigène qui m'a aidé là. Là il faut que je recharge. Bah on va recharger. De toute façon. Gasparato, là est-ce que tu arrives à nous faire quelque chose? On a 50-50 toujours. Et sa mère. Bon il n'est pas en vigilance. Donc Klein à la limite. Je pourrais... Ouais mais je vais me la mettre complètement à découvert là. Tentons. Allez c'est du risque. C'est de la recrue. Ce sera pas une grande perte. Vas-y. Oh merde. Et le survivant. Et je peux aller à Bago. Faites ce que vous voulez, je ne dirai rien. Ah bah c'est bon. Bien joué. Il ne vous reste plus qu'à éliminer les ennemis qui restent. Il faut que je bute le dernier alien. Bon. C'est déjà ça. Au moins, au moins ça c'est assuré. Je vais me mettre en vigilance ici. Et toi, on va te mettre en vigilance là. Ou alors est-ce que... 54%? Ah ouais, ça devrait pouvoir peut-être suffire même. Et bam! Shotgun dans ta putain de face d'alien! Ah, fait plaisir. Là, c'est pas fini? Oh merde! C'est pas fini. Tout de suite. Bon. J'étais sûr que c'était terminé. Il doit rester un alien sur toi, ou je sais pas trop quoi. J'aimerais bien me soigner d'ailleurs, je peux pas là. Ah, c'est seulement un seul soin peut-être. On va se mettre là en... Ouais, non, c'était pas terrible de se mettre là. Non, on va recharger, on va profiter. Toi, reste en vigilance, on sait jamais. Là, on est bien niveau munitions. On va se mettre ici en vigilance. Des fois, quelque chose bouge sur le toit parce que je vois pas. Où est-ce que ça pourrait être d'autre? Allez, on va se mettre en vigilance là, un peu à découvert, histoire de les faire sortir. Là, on en a 3 en vigilance. Non, rien du tout. Bon. Ils se sont peut-être mis en vigilance là. J'en sais rien. Bon, restons là en vigie. Ah, ça me tue, ça. Ils sont où? J'y vais tout de suite. Allez, Dim. Là, tu devrais pouvoir voir le toit. Je vais vers la position. En vigie. Bon, j'ai arrêté de répéter en vigie tout le temps. Je crois que vous aurez remarqué. Pour aller vers le toit. Allez. Peut-être avec un coup d'électroflux, comme ça je ferai d'une pierre deux coups. Gasparato, tu vas aller aider ton poteau, l'assurer sur le toit. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que Gasparato va sur le toit. Mais simplement, j'ai évidemment très mal calculé. Il était en vigilance l'autre. Il se loupe. C'est ma chance. Bon, je sais où il est maintenant. Complètement à découvert au passage. Ouais, non, mais là, ça va pas jouer. Chiat. Puis lui... Ah, mais oui. Si je vais... Genre jusque là, ça avec un coup d'électroflux. Donc je... Ah, je pouvais pas utiliser un objet après le sprint, il disait. Bon, au pire, je le flinguerai. Donc c'est le gros sprint du commando avec à bout portant. Ouais, non, je peux pas utiliser d'objet. Bon, bah, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et il a bien mangé du plomb. Notre ami n'est pas très coopératif pour l'instant, mais je pense qu'une discussion avec le docteur Valen le fera changer d'avis. Espérons. Bon, bah, ça me fait du fric, un ingénieur, un scientifique en plus. Plutôt rentable. Pas de mort. De l'XP. Sergent a été promu au grade de major. Donc, on a tir incapacitant, permet au sniper de faire un tir neutralisant l'arme principale de la cible, en neutralisant l'un. Elle peut réparer l'arme en utilisant recharger, ne pas infliger de coups critiques, recharge de tour. Bon. Ah oui, le détecteur. Ouais. Ça, ça me permet de voir plus loin pour sniper, ça va être excellent. Sergent Agnew. Donc elle a le medikit ou plus ou deux fois des grenades fumigènes. Non, on va prendre le medikit, c'est quand même utile. Et comme c'est celle qui soigne et qui corrige, je crois que le surnom est déjà tout trouvé. Ça sera Siorak, hein. Bah oui, c'est comme ça. Caporal, agression, chance de coup critique, plus 10 par ennemi, parade, défense, plus 5 par ennemi en vue. Ouais, je l'ai envoyé pas mal au contact, donc ça pourrait être utile. Alors, ah bah cool. On aura des snipers, c'est une équipe féminine, dites voir. Par contre, ouais, blessé, il y a des blessés. Il va falloir faire tourner l'infirmerie. Un peu de cadavres à gauche, à droite. Les récompenses, excellent. Nous vous observons. Alors, avant que j'oublie, Agnew, alias Siorak. Et voilà. C'est parti. Et puis du coup, bah j'utilise... Non, ah bah non. Suis-je... D'ailleurs, c'est un seul R ou deux R? Tu me diras. Comme d'habitude, je pense que j'ai encore fait une connerie. Tac, là on est bon. Ouais, l'infirmerie elle est pleine là. Bon, dans 10 jours, quasiment tout le monde est loin, voire même un tout petit peu avant. Bah écoutez, voilà, je vais pas faire défiler plus là. Maintenant on est quasiment arrivé à la demi-heure. Je pensais que ça allait prendre beaucoup moins de temps. Notre équipe se met bien en place. Je suis quand même un petit peu inquiet avec cette histoire là. Hein. Ici à droite, c'est pas terrible. Mais bientôt, je vais pouvoir balancer des satellites. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, nuit, etc. C'était Dirk36 sur XCOM et j'espère vous voir à très bientôt. Ciao!